Lenguaje y comunicación, curso primer nivel. Pour nous capables remplir guide d'études qui pourra servir comme examen d'évaluation pour premier trimestre là, qui c'est GIA 3 et GIA 6 pour professeur Alice Rojas Figueroa et Nicole Banda, qui est docente de langage et communication. Pour nous capables de remplir qui d'études ça, nous mettons non non dans l'espace ça, et puis classe là, et puis date nous réaliser GIA. Objectif GIA ça, c'est pour nous capables de distinguer texte littéraire et texte non littéraire. C'est pour nous capables de faire une distinction entre textes littéraires et non littéraires. Et pour, c'est pour nous capables d'identifier type de textes non littéraires. Et lorsque nous fin rempli GIA ça, et selon classe nous y a, nous avons by professeur qui correspond avec classe nous. Tout élève qui ensemble avec Alice, nous avons et GIA nous sous email Alice. Et si toutefois nous ensemble avec professeur Nicole Banda tout, nous voyons sous email Nicole Banda. Ok, on allait pour première question dans GIA. Objectif et vidéo, c'est pas pour nous capable de traduire GIA, mais c'est pour nous capable expliquer nous plus ou moins qui ça pour nous faire. Parce que en pile monde qui était GIA vide, c'est parce que mon n'a pas de café, mais c'est parce que en pile fois yo pas connaît comment pour commencer qui ça pour faire. Ya. Non, un premier item là, nous joindre yo ban nou plusieurs questions dedans, yo ban nou petit A, B jusqu'à F. Mais chaque et point ça yo, li gen yon question. Premièrement, dans A, yo dit que qui se ir à la fiesta. Et puis yo ban nou yon espace nou poudé. Nous avons remplacé par une masse. Là, nous avons deux masses, il y a un qui gagne un accent et puis il y a un qui sans accent. Et chaque ça a une signification. Par exemple, masse qui gagne un accent qui signifie plus ou bien plus, et puis masse qui sans accent qui signifie mais. Là, nous parlons selon phrase là et nous parlons regarder qui et masse n'a remplacé dans l'espace ça. N'a fait même genre pour petit B, pour petit C, pour D, pour E, pour F. N'a fait même bagaille là. Ya, nous pour aller dans item D. Dans item D, nous pour répondre brièvement. Je dis que pour nous capables de lire question ça yo et puis répondre avec question que vous posez nous. Là, je dis que pour nous mentionner une différence entre texte littéraire et texte non littéraire. Et c'est sûr que le professeur déjà travaille avec nous sur la question texte. Il a expliqué nous qui ça qui ont texte littéraire, qui ça qui ont texte non littéraire. Si toutefois, il y a un monde pas là dans la classe, vous êtes capable de faire recherche et puis vous êtes capable de joindre la différence. Là. Texte littéraire qui s'allie, un texte non littéraire qui s'allie. Ya? Et deuxième question, non, deuxième item, non, c'est on a écrit deux règles de l'utilisation de la lettre B. Deux règles. Et puis, on a bâillé deux exemples de chaque règle. Ça, yo. Hmm? Y en a un exemple, nous capables de bâiller. Donc, on dit que et après et M, eh bien, nous toujours un B. Pas vrai? Par exemple, là, et, par exemple, combination. Hmm? Après M, nous jouons B. Dans son 1, dans son 1, dans son 1, eh bien, nous jouons B. Ça, c'est un exemple. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes capables de chercher un autre exemple encore pour nous faire deuxième question. Troisième question dit que pour nous capables, eh bien, deux caractéristiques d'un texte non littéraire. Qui caractéristique gagne dans un texte qui non littéraire? Nous avons deux caractéristiques. Heureusement, nous avons accès pour nous capables
faire recherche pour nous et arriver à remplir GIA ça. Mais nous déjà travaillons ça yo dans classe. Nous parlons dans item 3. Item 3 qui c'est sélection multiple. Yo ba nous plusieurs textes et cette fois-ci texte ça yo. Ces textes qui non littéraires et textes qui littéraires. Là, nous pouvons analyser texte selon ça ou te dit nous qui ont texte littéraire et non littéraire. Nous pouvons dire est-ce que texte ça yo c'est un texte littéraire ou bien c'est un texte non littéraire. Si toutefois texte là c'est un texte qui littéraire, na partie A, ou mettez yon quoi, eh bien, si texte ça c'est un texte non littéraire, nan B, ou mettez yon quoi. C'est yon ou choisi nan yon, ou pas choisi les deux, mais ou choisi yon. Ou fait ça dans deuxième question en tout, si texte ça c'est un texte littéraire, ou choisi, si c'est un texte non littéraire tout, ou dit ça. Ça c'est pour troisième item. Et dans quatrième item, nan, qui c'est toujours sélection choix multiple, cette fois-ci, yon ba nou seulement texte non littéraire. Texte qui dans item 4 là, c'est seulement texte non littéraire. Ça veut dire qui pas littéraire. Là, yon mande nou pour nous capables et dit qui type de texte non littéraire yon. Parce que texte littéraire yon, et yo en parler plus sous des sur la beauté sur la description et autres, mais là nous avons des textes non littéraires, un texte non littéraire qui est capable d'être expositif, qui est capable d'être descriptif et puis qui est capable d'être argumentatif tout. Là nous pourrons dire est-ce que texte ça qui en l'air là c'est un texte expositif, ou bien est-ce que c'est un texte qui est descriptif, ou bien c'est un texte qui est argumentatif. N'a pas choisi yon nan yo, nous pas choisi tout, c'est un seul. Égal pour question BA, n'a fait même genre, n'a dit est-ce que c'est un texte qui est descriptif, est-ce qu'il est expositif, est-ce qu'il est argumentatif. N'a fait ça pour texte qui en bas tout, texte CA. N'a identifié, dit qui ça y est. Seulement, n'a identifié avec yon quoi. Et moi, j'espère que vidéo ça a été servi nous pour nous capables de remplir GIA ça, qui c'est GIA 3, langage et communication pour premier trimestre 2021.